Sur ta montre Garmin Tactics, Phoenix ou à peu près n'importe quelle montre de Garmin, tu as probablement réalisé que lorsque tu démarres une activité, à un certain point, il y a toujours un truc comme ça. Eh bien, sache que c'est le mode auto-lap. En gros, ce à quoi ça sert, c'est qu'il y a une distance qui est prédéterminée dans la montre et après que tu as parcouru cette distance-là, ça te fait un circuit automatiquement. Si jamais tu veux l'enlever ou modifier la distance après laquelle ça arrive, tu peux appuyer et maintenir le bouton « Menu » et entrer dans les paramètres de ton mode d'activité. Présentement, je suis sur une marche, alors je vais rentrer dans « Paramètres marche ». Et ensuite, on va descendre jusqu'à « Autolap ». Tu vois, en ce moment, je l'ai mis à 0.2 km, juste pour l'exemple. Je vais sélectionner ça ici. Et bon, là, tu vois, je pourrais le désactiver ou le réactiver. Et si je descends ici, je peux sélectionner la distance à laquelle je veux que ça arrive. Donc ici, je peux sélectionner le nombre de kilomètres. Et une fois que je le sélectionne, je peux ensuite sélectionner le nombre de mètres. Donc ici, après 2,5 km, j'aurai un tour automatique à toutes les 2,5 km. Personnellement, c'est une option que je n'utilise pas, alors je la désactive. Une fois que tu as terminé, tu peux appuyer sur le bouton « Retour » jusqu'à ce que tu retournes à ton activité. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!